Hello mes fleurs et bienvenue dans une nouvelle vidéo Calendrier de l'Avent. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode et pour vous parler et vous présenter le Calendrier de l'Avent Florence Nature. C'est la toute première fois que je découvre un calendrier de l'avant Florence Nature. Je ne sais pas si la marque en proposait les années précédentes, mais je suis vraiment hyper contente de le découvrir avec vous et de l'unboxer parce que Florence Nature est une marque que j'affectionne particulièrement, qui propose d'excellents produits et surtout à... Tout petit prix. Pour info, ce calendrier de l'Avent est proposé au prix de 79,80€, mais à l'instant où je vous parle, et j'espère que ce sera toujours le cas à la sortie de cette vidéo, il est remisé à 39,90€. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, j'ai hâte de le découvrir, et euh, si vous aimez les vidéos au sujet des calendriers de l'Avent, n'hésitez pas d'ores et déjà à liker celle-ci et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun des prochains épisodes. C'est parti alors pour vous présenter le calendrier de l'avant, euh, un petit peu de l'extérieur, donc il est vert avec tout un tas de euh, motifs un petit peu fleuris et euh, de végétaux, c'est vraiment très joli, il y a du, euh, du hou qui rappelle un peu Noël et cette couleur vert sapin que j'affectionne particulièrement. Voici un peu comment se présente le calendrier de l'Avent, c'est un système de cases à ouvrir, le calendrier n'est donc pas réutilisable et il y a à l'intérieur 24 cases avec la dernière case facilement identifiable. Et bien écoutez sans plus attendre, c'est parti avec la case numéro 1 qui se trouve juste là. Et on commence avec un lécor hydratant de la gamme à la rose. Donc, je ne sais pas si je l'ai précisé tout à l'heure, mais Florence Nature ne propose que des produits bio. Donc, ça, c'est top. Et encore une fois, à un petit prix, ce qui est euh, encore mieux. Et euh, ça, c'est un produit que je connais déjà en format 50 ml qui est très agréable à appliquer, qui sent très bon si on aime la rose. Donc, ravie de le retrouver dans ce calendrier. Case numéro 2. Vu la forme, je miserai sur un savon, peut-être. Ah non, d'accord. Ce sont des infusions. Alors j'espère que euh, tout ne s'est pas fait la mal. Il y a deux infusions hiver pour adoucir la gorge et stimuler les défenses naturelles avec de l'eucalyptus, du thym, du citron, de la cannelle et du coup, je sais pas y arriver, et du clou de girofle. Euh, je ne connais pas du tout les infusions Florence Nature. Je sais qu'ils proposent aussi pas mal de compléments alimentaires. Donc euh, d'accord, je m'attendais pas à avoir du, du thé ou des infusions dans le calendrier. Pourquoi pas. Case numéro 3, ici. Dans la case numéro 3, c'est un gel douche à la camomille romaine, à la fleur d'oranger et au bigaradier que je ne connais pas. J'avais testé une gamme euh, qui était verte, euh, je crois que c'était à la verveine, je suis pas sûre, mais en tout cas c'était une senteur euh, fraîche pour sûr. Donc euh, et bien, écoutez, pourquoi pas, c'est un format 50 ml, donc il y a quand même de quoi faire et on a toujours besoin de gel douche. Case numéro 4. Alors, dans la case numéro 4, de nouveau du thé avec cette fois-ci deux sachets de thé vert, donc aux propriétés antioxydantes et qui permet de contrôler euh, son poids. Le thé vert, ça n'est pas magique, hein, mais ça permet tout simplement euh, de drainer et euh, d'aller aux toilettes, donc d'éliminer, d'accord. Et on continue avec la case numéro 5. Alors un autre gel douche, cette fois-ci c'est l'eau des délices à la rose et au jasmin, dans le même format que euh, le précédent, donc en 50 ml. Toujours euh, aussi chouette, ça me va. Case numéro 6. Ah ici. Un crayon peut-être Je vois pas ce qui peut se cacher là-dedans. Ah oui, un crayon. Alors, pour les yeux ou pour les lèvres, je sens que je vais avoir du mal à l'attraper celui-là. Ah Alors je découvre un crayon pour les yeux en teinte 02 gris et euh, cette fois-ci c'est un full size donc c'est notre premier full size du calendrier. C'est un format 1,1 euh, g et c'est un produit qui non seulement est bio mais est aussi vegan. Euh, D'ailleurs, Florence Nature a sorti il y a peut-être un an maintenant sa gamme de euh, maquillage avec euh, des produits à la fois pour les yeux mais aussi pour les lèvres. Et euh, je vous prépare quelque chose à ce sujet. Restez connectés. Case numéro 7. Alors, je fais de mon mieux pour ne pas massacrer euh, le packaging. Cette fois-ci, on a l'eau micellaire démaquillante qui euh, fait partie de la gamme à la rose. Dans cette gamme, il y a à la fois des produits pour le visage et des produits pour le corps. Format très sympa de 50 ml, idéal pour euh, partir en week-end, donc pourquoi pas. Euh, case numéro 8. Euh... Elle est où la 8 Elle est là. Ah, crème pour les mains, d'accord. Format full size, je pense, puisque c'est un 30 ml et c'est une senteur à la mandarine. Trop bien, voilà, je suis contente. Moi, bon, on me met une, une crème pour les mains et tout va bien. Case <laughs> numéro 9. Ah bah, je, je trouve, je pense que je dois être sur écoute, parce que c'est souvent, euh, lorsque je dis quelque chose dans les calendriers, que, paf, je suis entendue et euh, la suite, euh, je sais pas, je dois avoir un, une espèce d'accord avec le destin. <laughs> N'importe quoi. C'est encore une crème pour les mains dans le même format que la précédente et cette fois-ci euh, à la senteur miel. Alors je ne sais pas si vous vous êtes déjà baladé sur le site de Florence Nature, mais pour Noël, la marque propose euh, toujours des coffrets. Et euh, j'avoue être particulièrement euh, fan du coffret avec les crèmes pour les mains que je trouve à la fois jolie et euh, bah, toujours euh, utile, n'est-ce pas? Case numéro 10. Euh... Ah, me du don elle est entr'ouverte. Qui a osé Ah un Shampoing doux Alors voilà un produit que je ne connais pas du tout à la et aux protéines de blé en format 50 ml. Euh, D'accord. Alors on ne précise pas pour quel type de cheveux ou quelle couleur de cheveux. Donc euh, ça doit être pour tout le monde. Eh bien écoutez, je testerai et je vous en redonnerai des nouvelles. Case numéro 11 où te caches-tu ici Et bien voilà, jamais 203. Cette fois-ci, c'est une crème pour les mains à la senteur rose, ce qui nous fait notre petit trio. Hop Case numéro 12, on est déjà à la moitié du calendrier. Que va-t-on découvrir à l'intérieur Ah bah non, je dis de jamais 203, mais en fait c'est jamais 304. D'accord, et bien c'est encore une crème pour les mains. Et cette fois-ci, c'est à la verveine tropicale. Donc là, on est quand même déjà à un... Oh, J'ai massacré le calendrier. Vous n'avez rien vu. Voilà. Euh, bon, 4 crèmes pour les mains, ça commence à faire un certain nombre, j'espère que c'est la dernière, même si j'aime bien ça, parce qu'on euh, a déjà testé des calendriers de l'avant avec plein de crèmes pour les mains, et c'est vrai que ça fait quand même plaisir de varier un peu, mais euh, très contente de cette senteur verveine tropicale qui, je pense, va être vraiment fraîche et agréable. Case numéro 13, elle est ici. Bon, alors cette fois-ci, je n'ai pas d'accord avec le destin, je n'ai pas été entendue. C'est encore une crème pour les mains. Et cette fois-ci, à la senteur lavande. On va voir si on en a encore ou pas. Je ne, je ne me prononce plus. On fera le bilan à la fin de la vidéo. <laughs> Case numéro 14. On est ici. Ah! Alors, j'ai un peu de peine à l'ouvrir, mais j'aperçois en avant-première un nouveau gel douche. De la gamme L'eau des délices aux agrumes et euh, aux fleurs blanches. Donc un nouveau petit gel douche en format 50 ml. Euh, très contente. Case numéro 15. Alors, vu le format, je pense que ça va être de nouveau du thé. Oui, cette fois-ci, on est sur l'infusion digestion. Donc avec de nouveau deux sachets, menthe, poivrée, verveine, fenouil et réglisse. Alors, ça, ce n'est pas pour moi. Je ne sais pas ce que vous aimez en infusion et en thé, mais moi, à partir du moment. Où il y a de la réglisse. <laughs> c'est pas possible, on est, on est fâché. Case numéro 16, elle est ici. Vous savez ce qui va arriver là C'est une autre crème pour les mains. À la senteur, fleur de cerisier. On en est déjà à 6, quand même. 6 crèmes pour les mains. Case numéro 17, elle est en haut, c'est une grande case. Shampoing à l'argan. Alors la gamme à l'argan chez Florence Nature est incroyable. Ils ont en particulier un baume oh, qui est un pur bonheur et je sens déjà à travers le packaging euh, que euh, ça va me plaire énormément. Le seul problème c'est que euh, apparemment c'est pour les cheveux secs, euh, ce qui n'est pas forcément mon cas mais euh, bon Peut-être que pour tester euh, une ou deux fois, ce ne sera pas un problème. C'est un format de 50 ml et euh, c'est notre deuxième produit pour les cheveux, ce qui me fait me rendre compte que je ne connais pas du tout les euh, gamme capillaires Florence Nature. Case 18 Ah, c'est celui-là que je connaissais <laughs> Alors, est-ce que j'ai dit des bêtises Non, je n'ai pas dit de bêtises tout à l'heure. C'est le gel douche verveine et bergamote. Et c'est cette senteur que euh, j'avais déjà testée et que je vous avais d'ailleurs fait gagner dans un... un anniversaire du blog, je crois, il y a plusieurs années. Euh, je l'aime beaucoup. Elle est très fraîche, très agréable. Donc, c'est la quatrième que nous avons dans cette petite série. Et c'est la seule que je connais. Donc, euh, voilà. contente de pouvoir faire de nouvelles découvertes. 19 euh... Ah, je pense que c'est un autre crayon. Alors, pour les yeux ou pour les lèvres Pour les yeux ou pour les lèvres Hop, c'est un crayon pour les yeux en teinte 01 noir, le classique. De nouveau un full size, on en a toujours besoin. Case numéro 20. Alors, je l'ai vu tout à l'heure, où est-ce qu'elle est passée Allez ah, là. Ah bah c'est le même format. Alors, pour les yeux ou pour les <laughs> J'arrête, pardon. Ah, je pense que c'est pour les lèvres cette fois-ci. Oh, oh là là. Pauvre calendrier, pardon, pardon. Excusez-moi. Ni vu, ni connu. Et euh, cette fois-ci, nouveau full size, nouveau crayon, mais pour les lèvres, dans la teinte 03 rose, qui est un euh, très joli vieux rose, qui, euh, ma foi, euh, peut être utilisé avec euh, quand même... Euh... Pas mal de, de tons, parce qu'il n'est pas trop foncé. Donc Et puis, euh, je ne sais pas si ça vous arrive, mais euh, avant, j'utilisais aussi mes crayons à lèvres seuls, s'ils n'étaient pas trop secs, et euh, ça faisait un joli résultat. Pourquoi pas avec un baume à lèvres en dessous Numéro 21, je pense à du thé. Et c'est une nouvelle infusion. Cette fois-ci, c'est la détox avec du romarin, de la menthe poivrée, de l'anis, de la bardane et de l'ortie. Case numéro 22, ça sent quand même la fin, hein, cette histoire. C'est encore une crème pour les mains. <laughs> on sent que j'étais très contente au début et que... Bon, on fera le bilan après. Mais encore une crème pour les mains, c'est donc la septième. Et cette fois-ci à la senteur jasmin. Euh, 22, il reste donc deux cases. La 23... C'est une autre crème pour les mains à l'amande douce, cette fois-ci. Euh, senteur euh, inégalée dans mon estime, je crois. J'adore l'amande douce. C'est tellement agréable, mais euh, ça n'en demeure pas moins notre huitième crème pour les mains. Et on arrive à la case numéro 24. Honnêtement, connaissant un petit peu le catalogue de Florence Nature, j'espère euh, qu'ils ont pensé à mettre un rouge à lèvres. Je trouve que ça serait vraiment chouette pour euh, cette dernière case et euh, surtout euh, varier un petit peu les produits. Allez on y croit, on découvre. Qu'avons-nous pour finir Ah, bon, j'ai été entendue. Tout va bien. C'est effectivement un rouge à lèvres. Et c'est le rouge à lèvres Bois de Rose, donc qui ira parfaitement avec le crayon. Et ça, c'est encore une très bonne nouvelle. Je vais essayer de vous le sortir. Et voilà pour le swatch de ce rouge à lèvres qui est vraiment très beau et euh, qui, je pense, conviendra au plus grand nombre. Donc ça, c'est vraiment top d'avoir pensé à mettre euh, ce rouge à lèvres et cette teinte dans la dernière case du calendrier. Alors, pour faire un petit peu le bilan et le récap, je vous rappelle que nous avons eu dans ce calendrier 4 gels douches miniatures qui permettent de tester les différentes senteurs et qui sont de très jolis formats. Donc ça, je n'ai rien à dire. Et on a eu aussi deux euh, shampoings différents, donc euh, pourquoi pas, ça permet de tester. Et encore une fois, on en a toujours besoin. De la gamme à la rose, deux produits, une homicellaire démaquillante et un lait corporel, très chouette. Et euh, surtout, <laughs> je pense que vous me connaissez, ce qui me fait le plus plaisir, ce sont les quatre références de maquillage. Donc deux crayons pour les yeux, un gris et un noir, on en a toujours besoin. Et euh, un petit duo qui est vraiment chouette avec un crayon pour les lèvres et son rouge à lèvres. Nous avons, nous avons ensuite 8 crèmes pour les mains. Alors même si j'adore les crèmes pour les mains, Florence Nature, je trouve que c'est un peu dommage d'avoir mis autant de crèmes pour les mains dans ce calendrier parce qu'il y a tellement de jolies références. Euh, J'aurais préféré avoir 3 ou 4 crèmes pour les mains, ça aurait été amplement suffisant, d'autant que ce sont des full size et avoir une plus grande variété de produits. On aurait pu par exemple avoir un fard à paupières, en plus les, la gamme maquillage est quand même relativement récente. On aurait pu peut-être avoir euh, une autre miniature corps ou euh, une petite crème pour le visage, que sais-je, mais euh, voilà, je trouve que c'est un peu beaucoup d'avoir quand même 8 crèmes pour les mains. Et puis euh, les sachets de thé, bon c'est sympa, je trouve euh, que c'est jamais à la hauteur de miniatures de produits. Ça ne concerne que 4 jours et on a à chaque fois 2 sachets. Bon encore une fois, ce ne sont pas les plus belles cases du calendrier, mais pourquoi pas, ça permet de tester. Dans l'ensemble, je trouve que c'est un bon calendrier de l'avant. Comme vous l'avez compris, j'aurais préféré avoir une plus large sélection et une plus grande variété de produits. Maintenant, pour le prix remisé du calendrier en ce moment, je trouve que c'est quelque chose qui vaut quand même le coup. J'avoue que si j'avais mis le prix fort dans ce calendrier, j'aurais quand même été déçue parce que pour euh, 70 euros sur Florence Nature, on peut vraiment vraiment se faire plaisir. Mais euh, voilà, il y a quand même des choses que je ne connais pas et qui vont euh, me permettre... Euh, de, euh, de faire des découvertes et euh, quand on ne connaît pas la marque, on a quand même un petit aperçu de euh, ce que l'on peut trouver sur le site. Je regarde par terre parce que je regarde un peu mon butin. <laughs> Je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais euh, je remercie la marque de m'avoir envoyé le calendrier pour vous proposer cet unboxing et euh, pour découvrir le contenu avec vous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à me mettre un petit commentaire avant de partir. Si les vidéos calendrier de l'avant vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et jusqu'à la prochaine, je vous fais plein de bisous et vous souhaite une très belle fin de journée. Ciao.